Well, hello once again to all those of you who are just tuning in. You're on the right program. It is Find Out, that entertainment program where we give you the latest gist. We give you full star gist. We give you all what your favorite artists have been up to, the new release and everything. So please don't take any step away from that screen. You know why? Because right now is real business. We've danced. But now, let us discover who we have on the show today. Who we have as a guest. And when I mean guest, I mean the hit. We are gonna turn it up. Turn up. Stay tuned. Now, thank you, Jesus, because it made me to realize a promise I made to you last week. I did tell you about the fact that I was going to bring a lady to the show this week. I did. And now your dreams, my dreams came true. Because today we have a lady in our midst and she goes by the name Solange B. She's an artist, a mixture of so many things. She's an englobe. Can you see? Do you guys see beauty? Look at her. Can you just do a small turnaround? Do you guys see beauty like from head to toe? Ah, those my copinchu and nyanga. Come on, this one. C'est la patate. Salut et bienvenue à l'émission Find Out. Comment tu vas? Super. Comment va Paris? Bien. Bon. Bien. Pour le moins, cher Cameroun, je sais. Le Cameroun va bien. Bien. Ça fait déjà combien? Oui, ça fait déjà combien de temps que tu es là? Des semaines? Des mois? Non, des mois. Ça fait 2 semaines et quelques jours. Ok. Et pourquoi tu es là? Parce que je viens présenter aux Camerounais, aux étrangers qui sont au Cameroun, aux voisins des Camerounais, mon bonbon. On va y arriver, hein. Ouais. Mais d'abord, on commence avec une petite présentation de qui tu es et d'où tu viens, pourquoi avoir choisi la musique, ainsi de suite. Moi, c'est Solange B. Le B, c'est Bédian, parce que je suis originaire du Mbam, Bafia. Et l'amour de la musique est arrivé comme ça dans ma vie, comme quand on tombe amoureux d'un mec, on ne se prépare pas. Non? Oh my God, this lady is gonna kill me here. C'est un coup de foot. Non, tu sais ce qui me fait rire? Non. Pourquoi faire illusion seulement au fait que quand tu tombes amoureuse d'un mec? Parce que l'amour, c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans la vie d'une femme. Jamais. Si, non. Seriously, hell no. Big X. To me, though, big non. X. Quand on est amoureux, c'est super. On est toujours contente, on est toujours souriante, oui, on est gentil. Vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs désavantages aussi. Quand on est amoureux? Oui, non, pas seulement ça. Quand tu es amoureux, ça dépend. Il faut être amoureuse du bon gars. Ma chérie. Tu vois la différence quand tu es amoureuse du mauvais gars? Du moment. Là, on ne parle plus de ma musique, on parle de l'amour. du moment où on est amoureux, c'est super. C'est un sentiment spécial. Je pense qu'au moins une fois dans sa vie, on doit être amoureux. C'est normal. Oui, même si c'est pas le bon gars. Les bad boys, ils sont bien. Yes, that is true. And now I confirm that the bad boys sont bien. They are very caring and loving. Eh bien, ça fait déjà combien de temps que tu es dans la musique? Des années? Ça fait, on va dire, en gros, vraiment 8 ans. On va dire ça comme ça. Ok. Ouais. Et dès le début, tu faisais dans quel genre? C'est le même genre qui se poursuit jusqu'à présent? Non, quand j'ai commencé grâce à Yeriko. Je sais pas si vous connaissez Yeriko. J'espère que oui. Yeriko, le gars de Jombos. De Jombos, ouais. Ouais. Donc, c'est lui, en fait, qui me prend la main, qui m'aide à faire mon premier album, qui me donne tous les conseils nécessaires pour mon point de but. Donc, c'était du Makossa et du Zouk. Du Zouk. Et à présent, c'est maintenant, j'essaie d'explorer le Cameroun, donc c'est Bikossi. Ouais. Et là, j'aimerais que tu nous parles encore un peu. Tu dis aux téléspectateurs la vraie raison pour laquelle tu es au Cameroun. Je suis là pour vous faire découvrir mon bonbon. Le bonbon. Ouais. En tout cas, ça va. Arrête-toi là. C'est-à-dire qu'on va sucer les bonbons. J'espère que tu as les bonbons dans ta poche. Parce que quand je vois le destroy là, il y a les rats chez toi. Hein. Maman, où ce sont les souris? Les bonbons là sont où? On va manger quel bonbon? Le président Paul Biya a dit qu'il faut être Android. Les enfants Android. Bon. Tête generation. Ça c'est une go Android. Mof! 5G. 5G! Anyways, that is just a start of what she's gonna be giving you guys. She's filled with so much fun.
I am here, can't pay, so you better stay, no shake. Okay, we're back in the studios, and I hope that apart from the fun we are giving you back here with all our strength, with all our energy, you are equally killing yourselves back at home with those wonderful tracks. Remember, it is our top 10 countdown, the heat, and we have Solange B in the building. Okay, Solange, avant de sucer les bonbons, j'aimerais que tu reviennes un peu sur le premier album que tu as fait. Déjà, c'était quoi le titre de l'album? Le titre, c'était Reflet. Et c'était un album complètement makossa. Bon, ça, il y avait un peu de zouk, mais okay. C'était essentiellement du makossa. Il a été fait par Erico, donc parce que c'est lui en fait mon mentor, okay. Qui m'a permis vraiment de faire mes premiers pas dans la musique. Cool. Au niveau de l'écriture, au niveau de la conception, au niveau du suivi même du studio, mm-hmm. C'était lui. Ok. Voilà. Donc c'était vraiment que du makossa, du bon makossa, comme il sait le faire. Cool. Ouais. Et ça a été fait où? Ça a été fait ici. Ça a été fait ici, pas chez Aubin. Aubin Sandio. Ok. Et ça consistait de combien de titres? C'était 8 titres, dont un instrumental. Mm-hmm. Ouais. Ok. Et quel était le message derrière? Comme je suis une femme amoureuse, moi je parle toujours de l'amour. Je sens que le 14 février, tu tues souvent ton gars hein, avec l'amour. Jeez. Ah bon, maintenant l'amour, on parle de bonbons. Mm-hmm. On parle de bonbons. Bonbons, c'est mon dernier single en fait que j'ai mis sur le marché. Par contre, c'est pas du makossa. J'adore mm-hmm. toujours le makossa, mais cette fois-ci, j'ai voulu danser, j'ai voulu explorer un peu plus en profondeur le Cameroun. Donc, avant d'arriver au nord, je suis passée par Yaoundé, donc okay. C'est du Bikutsi. C'est du Bikutsi. Mm-hmm. What? Donc, un mélange de Bikutsi et de Mbala, comme je suis Bafia, donc un peu de Bafia et un peu de Bikutsi. Ok, ouais. Non, tu sais, je ne veux pas attendre jusqu'à la fin de l'émission pour écouter un peu. Now, please, mister, I do this for my culture. Can I get a small bit, you know, I just want to feel a little bit. I want to feel something. I want to know how this song looks like. Tu es censé, mais tu veux mon bonbon. Tu es en couple, mais tu veux mon bonbon. Y'a ma copine, et c'est mon bonbon. Mon mignon bonbon, mon petit bonbon. Mon sugar bonbon, mon joli bonbon. Mon joli bonbon, mon petit bonbon. Mon joli bonbon, mon mignon bonbon. Bonbon, bonbon, bonbon. Ok, mais est-ce que ce titre déjà, ça fait déjà combien de temps que c'est dans le marché? On va dire début décembre 2015. Ok, ouais. Et jusqu'à présent, jusqu'ici, est-ce qu'il y a certains succès déjà avec l'album? Oui, c'est vrai que les gens sont étonnés de me voir chanter du Bikutsi. Mmh, on te connaît, fille amoureuse, voilà, sur, machin. Ça. Mais c'est juste l'amour, mais un peu plus hot. Un peu plus hot. Un peu plus hot. J'aime quand l'amour est hot, quand c'est calme là. Non, c'est pas bon. C'est bizarre. Tu as envie de fuir. Le gars qui arrive à... Il finit de travailler à 17, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Bizarre. Voilà. Faut qu'il arrive à minuit, tu t'énerves un peu. Quand il y a... Non, I deny. I don't want that one. So the title, like you said, the main message to speak behind in French, the song. Please. You've just said something in English. You have to speak in French, and I love that. So you said the main message behind the song is love. Yes. So is there a particular public that you're hitting, or it includes everybody? Est-ce qu'il y a une population que tu es en train de visager? Oui, de viser. Non, parce que ça peut être les hommes, ça peut être les femmes, ça peut être bon, pas les enfants, parce que les enfants ne connaissent pas vraiment ce type d'amour. Mais à partir de l'adolescence, parce qu'on a déjà des petites amoureuses, des petits amoureux. Mm-hmm. Donc c'est à partir du moment où on a le sentiment amoureux,
on peut comprendre ce message-là. Okay. Parce que dans Bonbon, en fait, je demande aux femmes, aux hommes, surtout aux femmes, de pas trop exposer leur relation amoureuse. Okay, tu sais, oui. si tu as un homme, tu vas dire à ta copine, oui, mon homme, il est comme ça, comme ça. Tu sais pas si elle est jalouse, mm-hmm. tu sais pas si qu'est-ce qu'elle pense dans sa tête. Elle va te dire, ton gars n'est pas bien, machin, alors que derrière, elle va te piquer ton gars. Elle va te piquer ton Donc, gars. Il faut garder pour soi. Aïe. Les filles sont dangereuses. Hein. Les filles sont vraiment dangereuses. Mais pas seulement les filles, même les garçons. Ouh, c'est quoi, j'ai dit, voilà, faut gérer vos problèmes. Quand il y a un problème, faut gérer en ça couple. En couple. Oui. Voilà. Et quand tu vas voir la copine, c'est pas toujours sûr qu'elle te donne les bons conseils. Les bons conseils. Parce qu'elle ne vit pas ta relation. Mais là, en fait. Mais là je pense qu'il faut beaucoup plus aussi s'adresser aux hommes. Surtout les hommes qui s'énervent avec soit leurs copines ou bien les femmes en public comme ça. Comme on dit souvent en anglais, don't wash your dirty linens in public. C'est pas bien. Donc si peut-être tu es avec ta copine ou bien disons n'importe qui, quelqu'un qui te tient vraiment à cœur et que la personne fait quelque chose qui t'énerve, il faut savoir contrôler tes émotions. Vous régler parce que les gens vont profiter en fait de ça la faille pour dire des choses qui peuvent vous amener à vous séparer. Aucun couple n'est pas fait. Oui, aucun couple Donc, n'est pas fait. Donc, je pense qu'il faut gérer ces problèmes à la maison. Quand c'est chaud, on appelle la maman, le papa, la tante, vraiment les personnes qui ne peuvent pas gâcher le couple. Oui. Parce qu'on appelle le copain, tu ne sais pas si ton copain est en train de vouloir prendre ta copine. Mm-hmm. Il va te dire, dis-donc, laisse-la, alors que lui, il est en train de... Well, we have a real love doctor. She's a love doctor. She's a guru of love in our midst today. So we are getting a lot of advice as far as love is concerned because it is her domain, Miss Love. You can see from head to toe, she's all loving, 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 lovable girl. Well, let us go continue dancing. It's the melody, make the song cry. I take a look at your picture on the wall. Now I realize how much I miss. Hoping someday we gon' meet and I go tell you How much I miss you. It's hard to believe that you're gone too soon. Gone too soon. I feel so bad when I think of you. Feel so bad. Ok, Susan, je pense qu'à la fin de l'émission, il va falloir qu'on danse aussi pour Bonbon. Mm-hmm. Il va falloir qu'on danse. Je ne veux plus danser le R&B ou n'importe quoi. On va danser. Comment on essaie. Bien sûr. Mais déjà, quels sont tes projets? Est-ce que tu as certains projets? Non, mais le projet immédiat, c'est faire découvrir Bonbon, mm-hmm. faire sucer le Bonbon. Oui. À tous les Camerounais, aux voisins des Camerounais, à ton voisin, à toi-même. Voilà, bien sûr. C'est faire découvrir le Bonbon, tout simplement. Mm-hmm. Ouais. Et puisque tu viens juste de te lancer dans le monde du Bikutsi, mm-hmm. est-ce que tu penses pouvoir vraiment, vraiment combattre Coco Agenté, la Go Galaxy, Mani Bella, Lady Ponce, Laetitia Diva et bien d'autres? Est-ce que tu penses vraiment pouvoir le combattre? Combattre, non. Je suis pas là pour combattre qui que ce soit. Je suis là pour apporter ma pierre à l'édifice de la culture camerounaise. Mm-hmm. Donc, je suis pas en concurrence avec qui que ce soit. D'ailleurs, je m'inspire de Lady Ponce, okay. Coco. Voilà, parce que c'est des femmes en fait. J'ai vu leur ascension, je vois comment ils travaillent. Et même pour ce son, Coco m'a donné des conseils. Donc, okay. Je suis pas là pour la combat. Je suis là pour qu'ensemble, en plus, voilà, hisser le drapeau camerounais un peu plus haut. Ok, ouais. Maintenant tu as parlé de, tu t'inspires de Coco et Lily Ponce. J'adore ce qu'elles font. Ok, ouais. Mais ok, maintenant je voudrais que tu me parles de Mani Bella. Qu'est-ce que tu penses de Mani Bella? Mani Bella, c'est aussi une grosse figure du Bikutsi, de la culture camerounaise. Moi, je suis pas la pala de mon mec, par exemple. Donc, j'adore ce qu'elle fait. Quand je vais à une soirée, si on met pas la pala, je suis pas contente. This girl cannot say one thing without talking love. Ah oui, d'accord. Maintenant, tu dis que tu es pas la pala de ton mec. Ah. Non, c'était pour justifier que Mani, ce qu'elle fait, c'est super. Voilà. Okay. J'aime ce qu'elle fait. Et Laetitia Diva? Pareil. Mm-hmm. Et est-ce que le Bikutsi, c'est pour quelques moments ou bien tu vas rester là pour longtemps? Pour le moment, j'y suis et puis je pense que je vais essayer de me faire ma petite place. Vous savez, chacun a son public et on apprend tous les jours. Comme j'ai dit, on est là tous.
on se bat pour la culture camerounaise. On n'est pas là pour se combattre, mais on est là pour mettre un peu plus haut la musique camerounaise. Oui, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Donc si Lady peut me donner un coup de main, vas-y. Hein. Elle est toujours disponible. Elle est toujours disponible. Très sympa. Et est-ce que tu peux faire une petite comparaison entre la musique en Paris et la musique au Cameroun? Comment est-ce que tu trouves? Non, je peux faire de comparaison parce que la musique camerounaise est suffisante au Cameroun. Mais maintenant, à Paris, on fait des soirées avec de la musique camerounaise. Ok. On peut pas comparer la musique française et la musique camerounaise. C'est deux cultures vraiment, vraiment différentes. S'il y a des soirées à Paris, c'est parce qu'il y a une forte communauté camerounaise, il y a une forte communauté africaine. Et le plus souvent, on se retrouve entre nous. C'est vrai qu'il y a quelques petites têtes de blanc qui sont là comme ça. Mm-hmm. Mais c'est d'abord pour nous. Pour dire qu'on n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas notre culture. Ok, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est si tu peux faire une comparaison peut-être aux artistes camerounais qui sont à Paris et ceux qui sont ici au Cameroun, qui sont au pays, en fait. Tu penses que ça vend plus de quel côté? Pas vendre, non. Vendre, c'est autre chose. Mais moi, je pense que les artistes qui sont au Cameroun ont beaucoup de chance de travailler parce qu'elles ont beaucoup d'espace pour le live, par exemple, pour travailler entre elles, quoi. Il y a pas mal de musiciens, il y a beaucoup de talents au Cameroun. Or, à Paris, chacune est dans son coin. Et on n'a pas toujours l'espace, comme ici, il y a des cabarets partout, où on peut vraiment travailler la voix, on peut travailler le live. À Paris, on n'a pas ça. Ok. Voilà. Et tu as déjà fait les collabos avec cette artiste? Non, donc du coup, c'est qui fait une collaboration avec moi, je suis disponible. Ok. Je parie que tu aimes danser. Ça m'arrive. Ça t'arrive parfois, pas toujours. Tout le temps. Tout le temps. Ok, toujours, tout le temps. C'est-à-dire qu'on va partir danser maintenant. Et quand on va revenir, ça serait pour la suite et la fin de l'émission Find Out. It's the melody, make the song cry. I take a look at your picture on the wall. Now I realize how much I miss. Hoping someday we gon' meet and I go tell you how much I miss. Miss you. It's hard to believe that you're gone too soon. Gone too soon. I feel so bad when I think of you. Feel so bad. Right, my lovely, lovely, lovely and wonderful televiewers. Gosh, this is the worst part of the show. The part where I have to say goodbye. It aches my heart. It aches my soul. But then I have to go. No cries. I'm not faking it, like seriously, I'm crying. But then we have to go because time is not on our side and other duties call. You know, when I say other duties, you should understand. It's the weekend. It's the night. Come on. Other duties call. That special somebody calls. So we need to go. Because her own special somebody to calls. So time for us to tell you goodbye. Time for us to draw the curtains on this edition of Find Out. But then let me give our wonderful guest Solange B the pleasure of concluding this program. Come on. Over to you. Mesdames et messieurs. Bah, écoutez, c'est super d'être là. J'espère, comme nous sommes dans l'émission Find Out, c'est-à-dire découvrir, vous allez me découvrir et je pense que d'ici là, on aura pas mal de surprises à voir ensemble. Donc, on reste en contact. Cool. Parce que là, maintenant, on va danser sur le rythme bonbon. Ça, c'est le bafia. C'est comment? Je ne connais pas ça. Bon, petit bonbon, mon joli bonbon, mon petit bonbon, mon mignon bonbon, bon, 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 b
petit, je reprends.